Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice de probabilité, extrait du concours à venir 2019. On va parler d'événements indépendants. Donc, je vous rappelais quand même la définition. Deux événements A et B sont indépendants, si et seulement si. Donc, on va écrire ça A et B indépendants, si et seulement si. Eh bien, la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. Alors, il y a une autre version qui vient des probabilités conditionnelles. Donc, ça peut être aussi traduit en disant que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Effectivement, si vous regardez, si vous utilisez la formule P de A sachant B, elle vous dit quoi? Que c'est P de A inter B sur P de B. Alors, ici, c'est pas, on n'est pas fini, on va juste, vous voyez, comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, si on admet que P de A inter B, c'est P de A fois P de B, regardez ce que ça donne, P de A fois P de B, c'est donc fois P de B, on peut simplifier, il reste P de A. Donc effectivement, P de A sachant B est égal à P de A. Alors il y a une autre version, c'est que ça équivaut aussi à dire que P de B sachant A est égal à P de B. Et ça, mais on le prouve avec l'autre formule, P de B sachant A, c'est P de B inter A. Alors P de B inter A, je le signale, c'est pareil que P de A inter B. Hein. D'accord? On peut changer l'ordre dans les intersections. Et donc avec la propriété ici, vous voyez qu'on arrive facilement, on passe de là à là. Hein, puisque ici le P de A va se simplifier, il vous restera en fait P de B. Donc ici on peut aller bien de gauche à droite. Et pour aller de droite à gauche, eh bien, c'est pareil, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons. Alors, dans l'exercice ici, on va se contenter de la définition première. Le produit de P de A par P de B donne P de A inter B. Alors on a plein de choses ici, alors ça va aller assez vite. P de A inter B, je vous ai dit que c'était P de A fois P de B. Alors ici on connaît P de A inter B, c'est 0,32. P de A, on ne le connaît pas. Par contre, on sait ici que P de A multiplié par 2, ça donne P de B. Donc P de A, c'est P de B divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi fois P de B. Donc ici, 0,32, je remplace P de A par 1 demi fois P de B. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens donc ici 0,32. Alors, je vais multiplier tout par 2, 0,32 fois 2, qui va être égal à P de B fois P de B, donc P de B au carré. Donc, c'est-à-dire que la probabilité de B au carré vaut donc 0,64. Comme P de B, c'est un nombre positif, P de B, c'est la racine de 64, de 0,64, et ça, on voit bien que c'est 0,8, 0,8 au carré, ça fait bien 0,64. Donc la réponse ici, oui, c'est la réponse D. Question assez courte à traiter, si on connaît bien, la définition de deux événements indépendants. À très bientôt.